Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à 1200 mètres d'altitude dans les Pyrénées orientales, tout à côté de la frontière espagnole, en plein pays catalan. Nous sommes accueillis ce matin à Oceja, en Cerdagne. Une commune rurale où la nature est riche et verdoyante, faite de forêts, de lacs et de rivières. La région bénéficie d'un climat agréable qui a favorisé le développement des établissements de santé dans la commune. L'occasion pour nous aussi, via l'écran de télé, de prendre un bon bol d'air, alors qu'à quelques minutes de la messe, Christian Burillo, le curé, est en train de bénir les chiens de berger qui participent au traditionnel concours de dressage qui a lieu ici chaque année. Et tout de suite, en ce dimanche, qui est la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, nous pouvons vivre cette messe en portant tout particulièrement dans notre cœur nos grands-parents. Chantons ensemble des psaumes pleins de joie. Monseigneur Marceau, évêque émérite de Nice, concélèbre la messe. Il vit désormais sur la paroisse Cerdagne-Saint-Roch qui nous accueille ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue en Cerdagne à vous tous, amis du jour du Seigneur, de France et de Belgique en ce dimanche où nous voulons aussi honorer nos grands-parents. Apprends-nous à prier. C'est une demande faite au Seigneur par ses disciples que nous entendrons dans notre évangile. Nous laisserons au Seigneur le soin de nous guider dans cette prière que nous allons faire ensemble. Vous, là où vous êtes, en vacances, peut-être chez vous, peut-être hospitalisé, peut-être entouré de vos amis dans votre résidence, et nous, qui nous sommes réunis pour vous ici même à Oceja, au bord de notre lac. Bien sûr, il y a la distance, me direz-vous. Confions. Confions ensemble et laissons au Seigneur le soin de nous rapprocher à travers sa parole, à travers la beauté de ce lieu, pour communier ensemble à sa joie et à sa vie, et notre rencontre sera des plus réelles. Confions. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Oh.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les trois visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorre, et leur faute, comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable? Traiter le juste de la même manière que le coupable? Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara. Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville ?» Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. » Abraham insista. « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40 ?» Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30 ?» Il déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20 ?» Il déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois.
Peut-être en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales qui pesaient sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, c'est en lui que nous crions « Abba, Père ». Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un dia Jesus pregava en un indret. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Jésus leur répondit :
Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Vingui al vostre regne. Que ton règne vienne. Donne-nous cada dia el pa de demà. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Que caiguem en la temptació. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Il leur dit encore, imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander. Amic, deixa'm tres pans que acaba mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Qui de vosaltres li respondria de dins estant? Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Et je vous dis, demandez et Dieu vous donnera. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, perquè on vous ouvrira. Qui demana, rep. Tothom qui cerca, troba. A tothom qui truca, li obren. Et en effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Qui de vosaltres li donaria quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demandera un œuf? Qui de vosaltres li donaria un escorpí? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Paraula del Senyor. Et c'est le père Denis Ledegard, assomptionniste, qui prononce l'homélie. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Et parce que Dieu est père, il se laissera forcément fléchir. Frères et sœurs, amis en Christ. En tant qu'aumônier d'hôpital, je dois reconnaître qu'apparemment, cela n'est pas vrai. Comme un certain d'entre vous ici présents, au bord de ce joli plan d'eau, et vous, amis téléspectateurs particulièrement, vous qui nous regardez depuis votre chambre d'hôpital ou depuis votre EHPAD, je me heurte au terrifiant silence et à l'inaction de Dieu face à beaucoup de prières, de demandes formulées. D'ailleurs, qui de nous ne s'est pas exclamé un jour « J'ai prié, j'ai supplié et je n'ai pas été exaucé ». Nous amplifions ainsi toutes ces clameurs qui montent de la bouche de ces milliers de personnes et qui sont restées sans réponse. Oh, vous vous souvenez sans doute de ce petit garçon, Ryan, qui était tombé dans un puits au Maroc. Les sauveteurs ont utilisé les moyens les plus sophistiqués pour le tirer de là. Tout un pays et les internets du monde entier se sont mobilisés. Cela n'a pas suffi, Dieu n'a pas bougé son petit doigt, il n'y a pas eu de miracle. Alors, à quoi bon prier? À quoi sert la prière? Frères et sœurs, Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il ne suffit pas de mettre une pièce dans l'appareil pour qu'il crache ce que nous lui demandons. Dieu n'est pas tout-puissant à la manière des hommes. Il ne concentre pas entre ses mains tous les pouvoirs pour commander au soleil, à la pluie, pour manipuler les événements de nos vies et pour nous rappeler à lui quand il l'a décidé. Oh, combien de gens pensent que Dieu n'existe pas parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils ont demandé. Mais à quel Dieu s'adressait-il alors ? Était-il père ou distributeur automatique? Chers grands-parents que nous honorons aujourd'hui, si votre fils, petite fille, vous demande une voiture, allez-vous la lui donner? Ne diriez-vous pas plutôt à tort un peu, deviens plus grand
et tu auras d'autant plus de fierté de la choisir et de l'acheter toi-même. Nous, grands-parents, nous t'accompagnerons. Franchement, quand vous formulez un tel refus, parce que vous savez que cette demande n'est pas une bonne chose, cesserez-vous pour autant d'être les meilleurs des grands-parents ? Dieu ne nous donne pas ce qu'il ne peut pas nous donner. Oh, mais diriez-vous, mais Dieu peut tout. Elle le croyait aussi, cette petite fille qui priait ainsi. Mon Dieu, faites que le Rhône traverse Paris, parce que c'est cela que j'ai mis dans ma copie. Non, Dieu ne peut pas tout. Certes, nous ne pouvons mettre tout miracle hors la loi. Jésus a fait des miracles, les évangiles sont là pour nous les relater. Et aujourd'hui encore, des miracles s'opèrent. Mais ce n'est pas la façon habituelle de Dieu de procéder. Il ne régit pas l'univers à coup d'interventions magiques. Sinon, toute science serait impossible et ce serait nier l'autonomie voulue et proclamée par Dieu. Il ne fera pas à notre place ce qui nous revient de faire. Mes amis, c'est à nous de construire un monde juste, fraternel. C'est à nous de mener des recherches médicales pour garantir la santé à tout être humain. C'est à nous de distribuer équitablement l'eau et le pain aux hommes. C'est à nous de laisser une belle planète à nos enfants. De grâce, ne demandons pas à Dieu de prendre notre place. Alors finalement, prier à quoi ça sert ? Dieu exauce toujours notre prière, mais il ne l'exauce pas forcément comme nous le demandons. Il nous donne toujours la puissance de son amour infini, et cet amour ne réglera pas miraculeusement nos problèmes, mais nous donnera la force de vivre notre vie d'homme, quelles que soient les difficultés et les souffrances rencontrées. Le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Mais Seigneur, je ne t'ai pas demandé l'Esprit Saint. Je t'ai demandé la guérison. Je te demandais la réussite de mon examen, de mon permis de conduire. Et toi, tu me donnes l'Esprit Saint. Escroquerie ? Non. Frère, sœur, ami, écoute le Seigneur te répondre. Tu me demandes la santé du corps. Moi, je veux te guérir tout entier. Tu me demandes la réussite d'un examen. Moi, je veux te faire réussir la vie. Merci, Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, par ses sœurs sous Pontilate, a été crucifié, et est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de notre Dieu, de notre Père et Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec la foi d'Abraham et en frère de Jésus, adressons au Père nos supplications pour toute la famille humaine. Avec saint Paul, reconnaissons le salut qui nous vient de la croix. Confions au Seigneur les victimes d'intransigeance ou d'intégrisme. Ensemble, prions. Avec l'esprit de notre baptême, confions au Seigneur les chrétiens de toute confession qui sont enfants du même Père pour qu'ils progressent vers l'unité. Ensemble, prions. Avec sainte Anne et Joachim, prions pour les grands-parents afin qu'ils se transforment en maîtres de tendresse et que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec espérance et responsabilité. Ensemble, prions. Avec la beauté de la création, que nous admirons davantage en cette période de vacances, bénissons le Seigneur et confions-lui ceux qui travaillent au respect de l'environnement. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu, notre Père, accueille la prière que nous t'adressons pour tous tes enfants de la terre. Nous te le demandons, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Claudine, qui vient de lire la prière universelle, est une paroissienne d'ici. Elle est aussi la grand-mère de Laura Noliva, qui va chanter pour la présentation des dons. Cette jeune soprano du pays s'est déjà produite dans plusieurs opéras en France. Thank you.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, sa louange, la gloire de son nom, et toute l'Église. Accueille-nous, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons les signes de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, avec Norbert, notre administrateur apostolique,
avec Monseigneur Marceau, présent avec nous, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur ensemble et selon son commandement, nous osons chanter. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, ici en Cerdagne, au bord du lac d'Auxéja, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que la paix du Christ soit avec chacune et chacun d'entre nous, et particulièrement ce matin avec tous les grands-parents autour de nous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis ravi de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Ce matin, je vous propose de prier avec les mots du pape Benoît XVI pour la journée des grands-parents et des personnes âgées. Seigneur Jésus, tu es né de la Vierge Marie, fille des saints Joachim et Anne. Regarde les grands-parents du monde entier. Protège-les, ils sont une source d'enrichissement pour les familles, pour l'Église et pour toute la société. Soutiens-les, tandis qu'ils vieillissent, puissent-ils continuer à être pour leur famille de solides piliers de la foi évangélique, des gardiens de nobles idéaux familiaux, des trésors vivants de profondes traditions religieuses. Fais d'eux des maîtres de sagesse et de courage, afin qu'ils puissent transmettre aux générations futures les fruits de leur mûre expérience humaine et spirituelle.
Marie, mère de tous les vivants, garde les grands-parents constamment sous ta garde. Accompagne-les dans leur pèlerinage terrestre et par ta prière, accorde à toutes les familles d'être un jour réunies dans la demeure du ciel où tu attends toute l'humanité pour la grande étreinte de la vie sans fin. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur a donc guidé notre prière et nous a rapprochés par son Eucharistie. Nous nous sommes appliqués ici à le faire avec ce que nous sommes, sans fioriture, en essayant de vous transmettre l'amour de notre Cerdagne, de tout ce qui nous a façonnés comme peuple, génération après génération, nos Pyrénées catalanes, nos vallées, le bleu incomparable de notre ciel, notre soleil, nos torrents, nos bergers, nos paysans, notre culture, notre langue, notre accent, notre fraternité. Une fraternité qui ici n'a rien d'une idée spéculative. Elle est une nécessité essentielle à la vie. Nous n'aurions pas pu vous rejoindre autrement. Nous vous saluons donc comme les frères en Christ que nous voulons être pour vous. Gardez-nous dans votre prière comme nous vous gardons dans la nôtre. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.